De nouveau corner. Est-ce que Cafu va pouvoir créer quelque chose ici? Revient avec l'appui de Ronaldo pour Zinedine Zidane, s'il vous plaît. Premier but de la Suède, un but à zéro. Eh bien, ça commence plutôt mal pour nos Diables. Ou faire un déplacement qui crée un trou en défense. Avant oh, cette frappe, oh, cette frappe est exceptionnelle. Ah, la frappe de Ronaldo ici, franchement. Du gardien de but. Attention à ce centre enroulé. On s'est pris les mêmes buts. Pelé. Oh, pas mal pour Vinicius. Ça sent la frappe, ça sent le but. Et oui, but premier poteau. Très belle frappe de Vinicius. Parler si on vise une forme de top 5 ici. Et regardez ça, regardez ça. Pelé, le râteau. Ah, cette passe tranchante sur Ronaldo. Messi toujours revient en arrière vers Gullit qui là encore une fois pouvait peut-être tenter une frappe et encore une fois une passe à rate sous les couleurs du RC Anderlecht. Voici attention à Eusebio et le 3 buts 1 et également au défenseur central adverse qui était Marquinhos. Mbappé, regardez ça, il a fait littéralement le tour du rectangle. Revenir sur cette aile grâce à un appui en second temps. Ronaldo, c'est pas mal, hein, cette frappe. Donc ça voulait dire vraiment qu'on voulait jouer à la rémoise. Pelé, le centre second. Oh, il n'y avait personne. C'est vrai que la roulette est plus rapide que les années précédentes, ça c'est vrai. Attention, cette frappe de Cruyff, aïe aïe aïe, ça commence bien pour la Belgique, 21ème minute de jeu, ça y est. Qui va la reprendre, je reviendrai sur le classement général juste après cette occasion qui m'a l'air franche pour le Portugal. Attention à cette frappe, aïe 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 aïe. Attention, c'est l'occasion, c'est le moment du côté de Ronaldo, la frappe en transversale rentrante, 2-1, je vous l'avais dit. Neymar, attention, c'est très très beau du côté portugais, le but. Lis de temps en temps, je vous lis dans le chat malgré tout. Attention, ah, ça part très très bien, ça part excellemment bien ce premier but. À manier pour les adversaires. Oui, t'es fou. Ouais, j'ai rien dit du tout, Xavier. 64e minute de jeu d'ailleurs, nous avançons toujours dans ce timing, c'est toujours un but à 1 et ce sera peut-être, eh oui, magnifique. C'est pas terminé, il faut avancer, il faut aller de l'avant, c'est pas terminé, incroyable. Balman d'ailleurs qui est au ballon reviendra sur la line-up de cette équipe allemande et Ronaldo pour ce premier but. Ça part très très vite et honnêtement, wow, on s'y attendait un peu. On a une belle passe là, tranchante, c'est bien fait avec Cruyff. Cruyff encore, regardez ça s'il vous plaît. Ils se jouent de nous dans le rectangle et ils vont marquer. Clairement, si on n'avait pas eu ce gros coup de massue, alors on va se prendre le 3-0 derrière, mais si on n'avait pas eu ce gros coup de massue, très clairement, on aurait pu me proposer quelque chose, je pense. Oui, bien sûr. Absolument. Ronaldo. Oh là 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 là, le tacle de Ronaldo et 4 buts à 0. Petit espace secret, et peut-être que ce sera le cas ici avec cette belle passe de Vieira pour Mbappé. Mbappé qui vient chercher Ronaldo et la frappe. Plutôt intéressant. Je m'attendais quand même à la passe pour Mbappé. Oui, c'est clair. Et on repart second poteau. C'est un but. C'est une frappe qui va rentrer au fond des filets de la part de Vieira. Derrière, attention à ce centre second poteau. Et le but. Non, le problème n'est clairement pas défensif du côté belge. Attention. Ah, c'est pas mal avec Ronaldo dans la surface. Et la frappe est... Bien, c'est très bien fait de la part de l'Italie. Faut pas laisser prendre cette frappe. C'est du temps remporté par l'Italie avec cette frappe de Ronaldo. Et là, ce n'est pas seulement du temps. Peut-être aussi que c'est un travail à faire en 2 contre 2 sur le long terme qui pourrait suffire, Xavier. Et ouais, peut-être. Magnifique, hein. Oui, tout simplement, parce que c'est vrai qu'une seule victoire, c'est peut-être un petit peu faible. Hein. Et après perdre contre la Russie aussi, qui a 2 buts à 0 à la 11e minute de jeu. Enfin, entier et aujourd'hui, pourquoi ils n'ont pas compris que ça ne fonctionnait pas et ils l'essayent encore. L'appui de Johan Cruyff pour Mbappé. Et Mbappé derrière avec Pelé qui se retourne une dernière fois et c'est le 2 buts à 2. Ah, je pense qu'on n'a pas fait. On n'a pas inscrit 2 buts lors dans tout premier match. Je ne pense pas. Ah, la Russie là va aller mettre le 3 buts à 2 pendant qu'on parle. Il vient chercher Ronaldo, je vous en parlais justement. Et là, il faut aller rechercher un appui avec Pelé et le but. Ah. Mais... Il ne pourra pas et attention peut-être. Ah, ça fait du mal à la Russie. Et merci à toute la région. On se retrouve très très bientôt dans un mois exactement pour la suite de Six Nations Series. Ciao.